être organisé et méthodique. Je pense qu'il faut être organisé et être conciliant. Je pense qu'il faut être rigoureux et investi. Pour moi, c'est une formation enrichissante qui me plaît. Et en tant qu'ICN, je ne m'attendais pas à apprendre autant de choses en si peu de temps. Donc oui, pour moi, ça me correspond, c'est à la hauteur de mes attentes. Alors oui, elle est à la hauteur de mes attentes parce que c'est une bonne formation. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas une formation où on ne travaille pas, on a quand même beaucoup de travail à faire. Et c'est du travail qui peut nous servir pour toute la vie, par exemple en fiscalité, en comptabilité. C'est des choses vraiment intéressantes et c'est pas que de la théorie, c'est aussi beaucoup de pratique. C'est un IUT qui est plus réputé et qui peut offrir des meilleures possibilités pour entrer sur le marché du travail. En me renseignant, j'avais vu que l'IUT il était plus réputé et notamment dans la transmission des savoirs, on a des professeurs très qualifiés et en plus j'ai choisi la proximité parce que j'habite à Vitrolles, du coup Aix c'était le plus près. Oui, j'arrive à voir ma famille et mes amis tout en gardant un rythme de travail correct. Il faut s'organiser bien dans le travail et travailler pendant les heures de trou et dès qu'on a un peu de temps. Et au moins, on pourra mieux appréhender les différents examens. Franchement, si on s'organise bien, on peut concilier études et vie sociale. Si, en fait, il faut travailler pendant les heures de trou, comme ça, après, le soir, ça libère du temps. Et pareil pour le week-end, comme ça, on peut un peu sortir, etc. Pour travailler tout le temps. Travaillez bien. Et préparez-vous à bosser dès le début de l'année. Oui, je trouve que c'est exactement la même image que j'avais auparavant. C'est-à-dire qu'on fait de nouvelles rencontres, on a énormément de travaux de groupe, mais aussi qu'il faut énormément de rigueur pour pouvoir réussir. Alors oui, c'est conforme à mes attentes. Je pensais qu'en allant à l'étude supérieure, il allait avoir une charge de travail très importante comparée au lycée. Effectivement, c'est le cas. Je pense que pour réussir ces totalités, il faut être très mature, rigoureux et impliqué parce que c'est vraiment une charge de travail très importante en bord de cours. Très sincèrement, ça peut aller. Dans la semaine, les cours sont assez bien répartis. Il faut juste être assez organisé dans son travail, avoir de la rigueur et pas perdre le rythme. Alors, en ce qui concerne la répartition des cours, je trouve qu'il y a une très bonne adéquation entre cours magistraux en amphithéâtre et cours d'application en TD, nous permettant de mieux appréhender le partiel. Ils sont très cadrés, c'est un peu similaire au lycée. Donc il y a un prof, on écoute ce qu'il dit, il y a une heure à respecter. Alors oui, je trouve que nous avons des cours très très qualitatifs et qui sont majoritairement très bien encadrés car nous avons des profs très compétents et bien expérimentés dans leur domaine. Alors, j'aimerais travailler soit dans la finance, soit dans les banques. Alors pour ma part, je voudrais devenir expert comptable. La formation nous offre la possibilité d'opter pour un parcours sur quatre. Je choisirai le parcours GC2F me permettant de préparer le diplôme de comptabilité et de gestion. Je sais que j'aime bien tous les métiers qui s'orientent autour de la comptabilité, du contrôle de gestion. Plus tard, j'aimerais être expert comptable à mon propre compte et être commissaire au compte. Alors moi, j'ai choisi le parcours contrôle de gestion et pilotage de la performance car j'aimerais devenir soit contrôleuse de gestion, soit ouvrir mon entreprise dans le secteur de l'événementiel. Marseille. Ajaccio. Marseille. À ce tard. Aubagne. Paris 93. La Farlèse-Olivier. Marseille. De Velo. L'Aiguille. De Aix-en-Provence. Marseille. La Farlèse-Olivier. Vitrolles.